Bonjour tout le monde, c'est parti pour un lundi avec nous. Greg est là ce matin. Et en déplacement. How come the stars come to shine when it's dark? Matinée qui n'est pas comme les autres. So far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. Undressed when it's cold, and don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Vichy-Lange, neige verglas, mais on a envie de lance blanc. Je sais pas ce que je préférais. Alors Greg vient de partir, j'ai fait finir de me préparer. C'est toujours un peu quand il est là. On a l'impression d'être un peu en week-end, donc on va ralentir. Oui, j'ai tellement l'habitude d'avoir mes routines la semaine quand il est pas là que j'ai l'impression de d'être un peu comme un week-end prolongé. Mais du coup je vais être toute la journée toute seule. Alors ça va être un peu speed aujourd'hui. Enfin un peu speed. Stacy à 1h ce matin. Elle reprenait à 13h mais elle a rendez-vous à 13h30. Donc du coup elle va aller pour 1h en cours de 9h à 10h. Alors je sais pas si je vais rentrer de ce temps-là, parce que le temps que je rentre, enfin son école elle est pas dans notre ville en fait. Donc il y a quand même un bon 20 minutes de route. Un bon quart d'heure on va dire. Donc je me dis, tant d'y aller, de revenir, enfin je vais revenir pour une demi-heure quoi, donc ça vaut même pas le coup. Donc je pense que je vais rester là, je bosserai dans la voiture au pire. Il faut que j'aille faire les courses aujourd'hui, de tout ce qui est frais, légumes et tout. Et ensuite, elle a rendez-vous comme je vous ai dit, à 13h30. Jusque, ben là pour à peu près 1h. Et après logiquement je ne bouge plus. Et là je vais aller chercher Kim parce que Quentin, enfin je vais chercher Kim et Léo pour aller le déposer à l'école. Quentin a fait nuit cette nuit, quoi, en fait il faisait 17h, 5h. Parce que comme je vous ai dit, il a changé ses horaires, en fait il va travailler le week-end et de temps en temps il va faire des remplacements la semaine. Mais ses vrais horaires c'est le week-end, donc en fait le samedi et le dimanche il fait 12-12. Donc hier il a commencé à 5h, c'est pour ça qu'on a eu les petits, et ensuite il finissait à 5h. Donc pour éviter, soit, alors il voulait rester éveillé mais je lui ai dit ça va être dur qu'en fait, donc... Je lui ai dit que j'allais conduire les petits, mais par contre il ira chercher Léo du coup à 11h30 et il retournera faire la sieste avec eux. Mais bon là lui, enfin quoi que j'allais dire, il a fini sa semaine, mais non, je pense qu'il fait du remplacement aussi cette semaine. Et Angel, sa nuit ça a été, il était plutôt en forme en fait, il a su dormir 3h avant de partir. Je sais pas comment il a fait parce que sa nuit du coup elle a été complètement coupée, mais il m'a dit que ça a été. Par contre hier soir il dormait très trop. Et là il fait nuit, c'est la semaine, j'aime pas. C'est la semaine. Ouf, je devrais me réveiller le matin. Vivement qu'il y a son permis. Ça traîne. Bon, allez. J'étais en train de remplir mon agenda. J'ai fini mes routines. Je ferai mon blessing en rentrant. Allez.
mettre ses chaussures et on va la... Alors la neige a fondu, hein. Et il fait 12 degrés là, donc je pense que... Hein, mais il pleut. Mais jamais content. Vivement le printemps. Vivement l'été. Ça y est. Miss et les courses. Tant de caca dehors, il fait que pleuvoir et il fait énormément de vent. D'habitude les poubelles ne sont pas dans la cour, mais là on a dû les mettre parce qu'elles s'envolaient tout le temps. Alors elles sont pas sur le trottoir, hein, je vous rassure, mais comme je vous ai déjà dit, on a un accès à l'extérieur, donc pour éviter de les avoir dans la cour, on les met à la... sur notre devanture en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais là elles arrêtaient pas de tomber, ça faisait du bruit. Ça a réveillé Greg cette nuit. Donc du coup on les a rentrées dans la cour. Au moins elles sont protégées du vent. Ouais. Bouh. Léo n'avait pas envie d'aller à l'école ce matin. Il a pleuré dans la cour. En fait sa maîtresse n'est toujours pas revenue. Et je pense qu'il y a un peu de mal avec la nouvelle. Enfin je sais pas. Mais du coup ouais il... C'est un peu compliqué. Alors, j'ai lavé mes plaies de ce matin, donc je vais les mettre dans mon sèche-linge et je vous montre les courses du coup et je vous montre le et je vous dis le menu. J'ai tout sorti, donc déjà j'ai été chercher de la baguette. Donc 4 baguettes pour les sandwichs ou voilà quand on en a besoin. Au niveau de la crème, j'ai pris crème liquide, enfin crèmerie, j'ai pris crème liquide, crème épaisse et un truc de skir. J'ai pris aussi des gnocchis pour ce midi. Comme Greg n'est pas là et que c'est pas un truc qui raffole, je me suis dit que j'allais faire ça avec les enfants. J'ai pris des cubes de boulon de volaille parce qu'on n'avait plus. Ensuite au niveau des légumes, du coup j'ai pris du céleri, du fenouil. Je vais faire une fondue de fenouil. Chou romanesco, ils étaient beaux, donc du coup j'en ai profité. Les pommes de terre, les deux sortes, une salade, des carottes. J'ai pris aussi, je vais vous dire le menu après, hein. Mais du cheddar et de l'emmental. J'ai pris des petits pois comme ça. Je voudrais faire une soupe poulet nouilles. Alors je sais, c'est pas du tout la saison des petits pois. D'habitude, je les aurais pris en surgelé. Mais j'avais pas envie de faire un autre magasin juste pour des petits pois surgelés. Donc du coup, je les ai pris comme ça. Des clémentines. J'ai pris quelques tomates, du raisin et des oranges. Stacy m'a dit qu'elles étaient bonnes la dernière fois. Donc du coup, je l'en ai repris. Donc voilà. Et pour tout ça, alors rien que pour là, j'en ai eu pour... 59 et des brouettes, presque 60 euros pour ça. Et puis ensuite les baguettes c'est 3,30 je pense. Donc voilà pour les menus. Comme tout ce qui est, enfin pour les courses, tout ce qui est viande et tout, comme je vous ai déjà dit, tout est au congèle déjà. Donc j'ai pas besoin de racheter. La semaine dernière j'ai pas été faire le plein de viande, enfin aller voir ce qu'il y avait, donc du coup je fais avec les réserves que j'avais. Cette semaine il faut que j'y aille parce qu'autrement la semaine prochaine il va me manquer de la viande pour le menu. Alors du coup je vous dis le menu pour ceux qui viennent de nous suivre ou qui atterrissent sur la chaîne. En fait voilà comment je fonctionne au niveau de la viande. Je vais une fois par semaine à Intermarché. Je fais le plein en fonction des promos, etc. Et ensuite, je fais mon menu de la semaine qui suit avec, quoi, en fait. Voilà, ça me permet de faire mon menu à l'avance, de faire mes courses que avec ce que j'ai besoin, mais aussi de profiter des promos parce que avant, j'allais, je faisais à la semaine. Vous voyez, mais du coup, je faisais le menu sans faire attention à ce qu'il y avait en promo. Donc du coup j'ai l'impression que ça revient moins cher en faisant comme ça quoi en fait. Surtout au niveau de la viande qui est quelque chose qui est un peu plus on va dire dispendieux. Alors au niveau des menus pareil, donc toujours 5 menus de base le midi. Je fais en fonction de mes envies, en fonction d'eux. Et mes menus du soir, pareil mes 5 menus parce que le week-end on improvise, c'est cool. On fait en fonction parce que souvent j'avais prévu quelque chose et puis en fait quand on sortait ou on recevait ou voilà, donc du coup je fais en fonction du week-end, au jour, moment où. Alors pour les 5 repas du midi, on aura pain bagna avec thon. Alors le midi on mange souvent soupe, sandwich ou enfin des trucs qui vont très vite parce que on a tous des horaires différents, on mange tous à la maison mais à des horaires différents. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi de gérer ça et même pour eux parce qu'il y a des moments, par exemple là Angel va faire de nuit, il va se réveiller, il va être 14h et il va vouloir manger il va manger sur 14h30 par exemple, vous voyez. Donc pour lui faire réchauffer un truc que j'ai fait ou quoi, bah, c'est plus vite de prendre un sandwich et de manger. Greg finit à 13h
environ souvent les 13h30. Il y a des moments, Marine, elle finit à midi, elle rentre, il est midi 30, donc elle mange à midi 30. Et il y a des moments, Stacy se rajoute en plus, en fonction de ses horaires aussi, ou en fonction des rendez-vous, quoi. Donc du coup, voilà. Il y a des moments, je dois aller chercher Léo, il y a des moments, je dois pas aller chercher. Donc du coup, voilà, c'est plus simple pour moi. Le midi, c'est sandwich, j'ai une base. Enfin, alors, c'est sandwich ou salade composée. En fait, j'ai dans le frigo de quoi faire des salades composées. Je prépare mettons des crudités, je prépare de la salade, enfin voilà, des carottes, des trucs comme ça. Et j'ai toujours une base de protéines et un féculent. Donc il y a des moments je fais faire mettons plus de riz le soir pour l'utiliser pour une salade composée dans la semaine. Je vais faire du riz à sushi pour faire des pokéballs, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc du coup, pain bagna, thon, une soupe poulet riz. Il me restait du poulet que j'avais acheté à la rôtisserie, qu'on avait tout décortiqué, et il m'en restait, donc du coup je l'ai mis au congélateur pour pouvoir faire justement cette soupe poulet riz. Des clubs sandwich avec le jambon que Greg a fait maison. Je vais faire des panini burgers. En fait, ce week-end on a été chercher, vous voyez, parce qu'on savait pas si on avait nos amis qui restaient manger ou pas, on savait pas si on allait manger, enfin bref, si on n'allait pas aller chercher, si on n'allait pas aller ailleurs. Donc j'avais été envoyer Greg pour du au cas où chercher un paquet de steaks. Vous voyez les steaks surgelés, ces steaks sont bons mais ils ont tendance un peu à rapetissir, et puis voilà, c'est bien pour faire des burgers, des choses comme ça. Donc là du coup, quand on veut les manger comme ça, on préfère un vrai steak, voilà ce que je veux dire, un vrai steak du boucher. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là je me suis dit, comme il m'en reste, je vais les utiliser. Je vais faire des panini au style cheeseburger avec du cheddar et dedans voilà tout ce qu'on met dans un burger, en fait, mais sous forme de panini. Et ensuite donc là c'était mon quatrième. Mon cinquième, c'est les gnocchi que je vais faire avec une petite sauce au fromage, voilà. Les repas du soir, il y aura cordon bleu jurassien avec du fenouil braisé et des pommes de terre tapées, du lard cuit avec un riz jaune et du chou romanesco. Je vais faire des pâtes bolo, je vais essayer d'en faire une belle quantité pour pouvoir en faire des bocaux à voir, mais logiquement j'aimerais bien. Jeudi, steak haché gratin dauphinois avec des carottes Vichy, et vendredi je vais faire pita merguez, en fait je vais faire des pains pita maison, on va mettre des merguez et on va les garnir avec des tomates, salades, enfin voilà, des sauces à l'ail, enfin vous voyez, et c'est des merguez que j'avais acheté à la boucherie qu'on a au congélateur aussi. Donc voilà pour les repas de cette semaine. Bon, et maintenant je vais ranger tout ça puis je vais déjeuner. Oh, I just want
mon agenda et tout. En fait, souvent en début de semaine, je prends mon journal de bord au niveau du ménage, tout, vous voyez, ménage de zone et tout, pour savoir un peu ce que j'ai à faire dans la semaine. Et j'essaie de programmer ça un petit peu dans la semaine, comme ça je sais quelle zone je suis. Alors, même si je le sais déjà, puisque voilà, les zones se suivent quoi en fait. Mais voilà, j'ai un visuel au moins, je vous l'ai déjà montré, hein, de ce que j'ai à faire. Et comme aujourd'hui je faisais les plaids des canapés. En fait, j'ai changé mon jour. Avant c'était le vendredi, mais je me suis rendu compte que souvent les petits venaient le samedi ou dimanche, comme là ils sont venus hier, plus ou moins, voilà, ils salissent un petit peu, et du coup je me dis c'est peut-être mieux de le faire le lundi, comme ça ils sont tout propres quoi, en fait, enfin bref. Donc parce qu'il y a deux mois je devais recommencer parce qu'ils avaient mis du gâteau dessus ou des choses comme ça, même si on essaye d'éviter qu'ils mangent dans le canapé, hein, mais voilà, c'est des petits, hein. Donc oui, comme je nettoyais les plaids aujourd'hui, je me suis dit bah, on va faire le canapé. Puisque c'est la zone, cette zone, la zone de cette semaine, c'est la pièce de vie, salon, salle à manger. J'ai enlevé, j'ai vu qu'il y avait des petites taches sur mon côté de canapé. Je vous ai déjà dit, celui-là, il est pratique parce qu'on peut tout le déhausser. Seul truc, c'est que ils auraient dû faire un autre système pour le côté ici. Parce que c'est un peu compliqué à l'enlever, il faut venir dévisser en dessous. Mais là, c'était cette partie ici au niveau de la méridienne qui était un petit peu... il y avait deux trois petites taches dessus, donc je me suis dit allez hop, j'ai enlevé aussi les coussins, tout est en train de se laver. En fait j'ai trouvé la parade pour ici, je mets un plaid, parce que souvent c'était le coin, c'est la place à Greg et à Stacy, et souvent ils ont leurs mains, vous voyez ici, comme ça. Et du coup c'est cette partie ici qui noircit malgré qu'ils ont les mains propres ou quoi, hein, c'est je sais pas, peut-être la, enfin voilà, c'est cette partie là qui devient un peu plus vite sale. Donc j'ai trouvé un peu la parade, je mets un plaid là comme ça, ben, ils salissent le plaid, ils salissent pas le canapé, et je peux juste j'évite de l'enlever comme ça, voilà, il est protégé par le plaid, enfin vous voyez, je plie un plaid sur le là, bref, et je mets un coussin comme ça. On essaie de trouver des petites parades. Donc là je suis en train de nettoyer tout ça et je suis en train de préparer le repas, parce que du coup ça va aller vite ce midi. Marine finit à midi, Angel est là puisqu'il travaille seulement cette nuit, et avec Stacy il faut que 13h moins 10 on soit parti quoi, en fait elle a rendez-vous à 13h30, donc ouais, temps de faire la route et tout. Alors du coup ce midi c'est des gnocchis, j'ai coupé une grosse tranche de jambon dans le jambon que Greg a fait, je vais mélanger ça avec, enfin je vais faire cuire ça avec la pulpe de tomate, je vais ajouter épices italiennes, un peu de fond de veau, un petit peu d'eau du coup, et je vais mettre un peu de crème pour faire un peu une sauce, un peu comme une sauce rosée quoi, en fait une sauce tomate crémeuse. Donc là du coup j'ai mis mon jambon que j'ai coupé en gros morceaux. Je vais ajouter ma pulpe de tomate, sel, poivre, pas trop parce que je mets du fond de veau. Hop là. Et je vais laisser un peu compoter la tomate pour pas qu'il y ait trop de morceaux. Et en fait, je vais faire cuire directement mes gnocchis dedans. Vous voyez, je mets directement les gnocchis dans la sauce. C'est comme ça, ils vont cuire, ils vont se gorger de la sauce. Alors j'improvise totalement, un peu d'épices italiennes. On va faire cuire déjà ça un petit peu, comme je vous ai dit, pour faire cuire la tomate et la laisser un peu compoter. J'aime pas trop la tomate cuite, mais en sauce tomate j'aime bien, mais il faut pas qu'il y ait trop de morceaux. Je trouve que c'est un peu acide la tomate cuite. Et encore, hein, quand j'étais petite je la mangeais pas du tout, maintenant j'arrive à la manger. Mais il faut vraiment que ce soit de la bonne tomate quoi, en fait. Vous voyez, comme la tomate cuite, les tomates farcies hors saison, je vais pas en manger. Quand c'est la saison et que c'est les tomates du potager, elles sont beaucoup moins acides en fait. Le goût est complètement différent. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de tomates concassées plutôt que les tomates pelées entières, parce que quand je tombe sur une grosse tomate cuite, j'ai tendance à la laisser sur le côté parce que je trouve qu'on a toute l'acidité de la tomate. Alors je vais ajouter mon fond de veau tout de suite. Ça c'est mon fond de veau. Je vais juste mettre à hauteur. Alors je vais pas mettre grand chose dans le fond d'eau, je vais juste mettre une cuillère à café.
ça permet d'avoir une petite sauce un peu plus. Ça va épaissir en même temps la sauce en fait et donner un goût. Voilà, je vais mettre à hauteur du jambon. Et je vais laisser mijoter tout ça un petit peu. Et après j'ajouterai une ou deux cuillères à soupe de crème et je mettrai. Alors mettez assez d'eau pour que ça vienne bien parce qu'il y a les gnocchis qui vont cuire dedans, donc il faut quand même assez de liquide quand même pour les faire cuire. Vous voyez bien à hauteur du jambon quoi, en fait. Alors au niveau de la quantité de jambon, j'ai mis une tranche épaisse, il y a peut-être 200 grammes peut-être. La sauce bouillonne, j'ai laissé un peu bouillir pendant 5-10 minutes. Là je vais ajouter du coup les gnocchis directement dedans. Hop. Alors sur un paquet il y a écrit 3 personnes. Alors c'est peut-être 3 personnes en accompagnement, mais moi si je vois 3 personnes pour ça, il n'y a pas assez quoi. Angel déjà limite il mange le paquet. Hop là. Voilà, je vais mélanger. Alors je vais pas rajouter la crème tout de suite, je vais laisser cuire et ensuite j'ajouterai la crème. Alors au niveau du liquide, quand vous faites cuire comme ça vos gnocchis, il faut juste que ça soit à hauteur. Donc je vais peut-être juste en rajouter un tout petit peu. Ça 5-10 minutes. Un petit bouillon. Donc là mes gnocchis sont cuits, ça cuit super vite hein. En 5-10 minutes c'est cuit. Je vais vérifier la cuisson entre deux, mais ouais. J'ajoute 2 cuillères à soupe de crème. Hop. On va mélanger. Je vais rectifier l'assaisonnement et on va pouvoir manger un wanpo. Il est midi 10, on va manger parce que comme je vous ai dit, je voudrais partir assez tôt. J'ai peur en faire avoir du monde à 13h30. Enfin 13h. J'ai peur que vous voyez tous ceux qui reprennent le travail l'après-midi sont sur la route. Alors, du coup le plat. Moi j'aime bien ce genre de plat, c'est le manger avec cuillère dans un bol. C'est un peu réconfortant et du coup voilà. Un peu de parmesan, j'ai mis un peu de persil dessus et j'ai rajouté des flocons de piment aussi sur le mien. On a mangé, on a été au rendez-vous à Stécie et j'avais mis mes coussins du coup au sèche-linge, je vais pouvoir les remettre. Ils sont tout propres. Et après je pense que je vais peut-être aller jusque Action parce que j'ai vu qu'il ne restait plus qu'un rouleau de papier toilette. Le papier toilette on l'achète à Action, il est moins cher. Puis ça me fera faire un petit tour parce que j'ai pas grand chose à faire là. Ouais, donc enfin pas grand chose. En soi, en fait comme souvent le lundi c'est ma journée qui est un peu plus calme au niveau du travail parce que j'ai pas beaucoup de commentaires à répondre, le fait que j'ai pas vlogué le dimanche, enfin voilà. Il y a pas mal de trucs qui sont un peu plus. C'est un grand ou un petit grand. Du coup c'est plus cool quoi. Enfin c'est plus cool. C'est une journée moins où je dois moins travailler sur le PC. Hop, et le repas de ce soir ça devrait aller vite. Donc je pense que comme il est que 3h. 15h. Puis avec le rendez-vous à Stécie, on a mangé tôt en fait. Donc du coup l'après-midi commence tôt. D'habitude avec Greg il finit à 13h30. Enfin 13h tant qu'il rentre 13h30. Donc du coup on mange plus tard. Là on a mangé plus tôt. Voilà, je finis ça.
Puis après, je vais voir si Stécie elle veut venir avec. Je sais qu'elle était en train de faire un exposé là. Enfin, finir un exposé qu'elle a commencé tout à l'heure. Il pleut plus là, il fait beau. Il nous annonçait de la pluie, mais là j'ai l'impression qu'il fait doux en plus. On a l'impression d'avoir une journée de printemps. Et on aurait. Enfin, toute la neige a fondu, alors qu'il y en avait. C'est ce que Stissy me disait dans la voiture. On ne dirait même pas qu'il a neigé ces derniers jours qu'on a eu du temps. On a gagné 15 degrés limite en une journée. C'est fou quand on était gelé et. Il y avait de la neige, c'était gelé de partout, on glissait, c'était une patinoire de partout et là il n'y a plus rien. Le temps est changeant. Hop. Mais bon, à ce que j'ai pu comprendre, ça va revenir. Semaine prochaine, un peu plus frais. Enfin, plus de la neige, mais des 0 degrés. Mais ce qui est fou, c'est le temps des degrés qui compte. Enfin voilà, c'est la température qui change comme ça. En moins de 2. En une journée, comme je vous ai dit, là, on a gagné 15 degrés. C'est fou, quoi. On est rentré. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu m'as... Madou? Tu m'as Madou? Hein? Tu sais qu'il y a un truc pour toi? Alors, on a ta action, du coup. Papier toilette. Alors, quand je dis que le papier toilette est moins cher qu'à Action, il est moins cher. Mais je ne vois pas pourquoi j'y... Enfin, voilà. Je sais pas si c'est moins cher pour moi, pour mon porte-monnaie, parce qu'à chaque fois, je suis tentée par des petits trucs quand je joue à Action. Alors, là, je suis tombée sur une huile à lèvres. Elle était... j'ai regardé sur... truc, elle a 100%, 99,5% d'origine naturelle. Je me suis dit, c'est pour mettre entre deux. Vous voyez, dans la journée, plutôt que de remettre du beurre de cacao. Je suis tombée sur ces deux petits bougeoirs en tech à 1 euro quelque chose. Je vais voir, je voudrais tester de faire un truc avec. Et en allant faire un tour dans le rayon beauté et tout, je suis tombée sur ce parfum. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais alors, j'ai testé sur mon écharpe. Et il sent vraiment très très bon. Alors, il est pas cher, il est à 2 euros. Je sais pas s'il va tenir beaucoup, mais... Et ensuite... C'est pour qui, ça? C'est pour qui? Est-ce que je peux enlever l'étiquette avant de te le donner? Alors, celui-là, c'est pas un poêle poêle, c'est un truc... Vous voyez comme les machines à... Les boîtes à vaches, là, les boîtes à meux. Descends, je vais te l'ouvrir et je te le donne. Oui, je l'ouvre et je te le donne. Il est grave. En plus, c'est de notre faute. Hein. Il le sait. Hein. On ne sait pas faire autrement. Enfin, je ne sais pas faire autrement. Regarde, j'enlève le truc. Les attaches. Et je te le donne. Mais je ne sais pas si tu vas savoir le faire aller. Tu vois, il faut que tu le bouges comme ça. Hein? C'est pour qui? Jamais eu un chien aussi jouette que lui. Bref. Voilà. Donc pour le petit tour. Bon, il est déjà pratiquement 4h30. Greg devrait plus tard. Je viens de le mettre sur mes lèvres et je me demande s'il n'y a pas du piment ou un truc comme ça dedans. Je pense que ça doit être un truc pour pimper les lèvres, là, vous voyez. Parce que ça me pique comme s'il y avait du piment. J'ai vu qu'il y avait écrit castor oil. Donc je sais que c'est de l'huile de ricin. Mais je sais pas, ça me pique un peu. Alors j'espère que je vais pas faire une allergie. Parce que j'ai quand même une peau assez sensible. Autrement, c'est assez agréable. Parce que j'ai pris mon téléphone. Mais ouais, à part cette sensation piquée, mais autrement, sur la texture est assez agréable en fait. Ça fait comme un gloss pas collant, vous voyez? C'est bien, ça c'est une huile repulpante. C'est ça que je sens que ça pique, bon. Et que ça travaille. Ça, ouais, en fait ça fait la sensation, vous voyez, comme quand vous venez manger un piment, vous en avez sur les lèvres. Ça m'apprendra à ne pas lire les notices. J'ai vu huile, je me suis dit huile à lèvres, j'ai pas regardé plus loin. J'ai bipé là avec Yuka, j'ai vu 100%, je me suis dit bon, c'est bon. Greg est rentré. Il est rentré plus tôt, je m'en demande ce qu'il rentre plus tard. Alors je vais commencer à faire à manger pour ce soir. Je suis en train de faire cuire les pommes de terre. Je fais les pommes de terre tapées. Je vais faire du fenouil braisé. Alors le fenouil braisé, je le fais comme dans les endives, braisé. Je vais faire revenir des lardons.
fumée. J'ajoute une échalote et de l'ail. Je fais bien revenir tout ça. Ensuite, je vais venir émincer mon fenouil. Je vais le faire cuire avec... Je vais couvrir avec légèrement un petit peu de bouillon. Et une fois que... Et je laisse compoter. Vous voyez, je laisse jusqu'à ce que le bouillon se... Enfin, pas compoter, mais je laisse se réduire. Ça aide à faire cuire en fait le fenouil. Je ne mets vraiment pas beaucoup de bouillon. Hein. C'est juste pour aider à la cuisson. Et une fois que le fenouil est fondu, j'enlève le couvercle. Vous voyez, une fois que le fenouil est cuit à cœur, j'enlève le couvercle et je fais en sorte que le bouillon s'évapore. Hop. Alors du coup, je ne mets pas trop de sel pour pas justement que le bouillon soit, enfin que le fenouil soit trop salé. Surtout qu'il y a déjà les lardons. Donc, et je ne mets pas un cube entier. Hein. Je mets qu'un tout petit bout. Donc, les lardons. Je vais attendre qu'il dort et ensuite j'ajouterai échalote et ail. Et puis ensuite j'ajoute mon fenouil. Alors, une fois que les lardons, l'ail et l'échalote est revenu, j'ajoute du coup mon fenouil et je vais le faire légèrement dorer un tout petit peu. Enfin commencer à cuire on va dire. Et pour finir la cuisson, j'ajoute le bouillon après. Commence à dorer, je sais pas si vous voyez à la vidéo, mais voilà, ça commence légèrement, mais vous voyez ça reste ferme dans le fenouil, c'est comme le l'endive si vous mettez pas d'eau, malgré que ça rend beaucoup d'eau un l'endive, mais ça cuit, c'est long à cuire. Donc là j'ajoute un petit cube, la moitié, et de l'eau. Alors je vais pas en mettre de trop, juste à mi-hauteur. Je vais porter à ébullition. Et ensuite, je mets un couvercle et je laisse cuire jusqu'à ce que mon fenouil est tendre. Et une fois qu'il est tendre, je viens enlever le couvercle et faire en sorte que le liquide s'évapore. Alors, le fenouil, c'est un légume qu'on n'aimait pas trop avant avec Greg. C'est un fort goût d'anis en fait. Une fois, on avait une grosse récolte d'abricots et on en avait donné un peu autour de nous. Et j'avais... Kim était encore à l'école à ce moment-là, était en primaire, et j'avais donné du coup un sac avec des abricots. J'avais dit, bah, tiens, tu peux donner à ta maîtresse. Et la maîtresse, en fait, pour nous remercier, comme elle avait aussi un potager, et ben, elle nous avait donné des fenouilles. Donc on avait du coup on avait regoûté à ce moment-là. Et on s'est rendu compte en fait qu'on aimait le fenouil. Et je l'avais fait justement briser comme ça. Et du coup, on en met. Ce qu'il y a, c'est que c'est dur au potager parce que ça monte vite en graines en fait. Donc dès qu'il fait chaud, ça monte et vous n'avez pas des gros bulbes en fait. Ils montent en graines et après ça devient... en fait, il y a comme un truc dur au centre du fenouil à l'intérieur. Il faudrait tout le temps l'arroser en fait. C'est vraiment un légume qui réclame. Ah, le fenouil, ça monte vite en graines. En fait, si vous attendez trop parce que vous dites bah, ils sont encore petits, ben d'un seul coup vous avez une période de sécheresse et clac, ils montent. On va pouvoir manger. Greg a remis, je vous avais dit hein, qu'il faisait que ça, remettre et re-remettre. Et... Je vous avais dit qu'il aurait dormi. En fait, il a remis la série, vous voyez ce que je vous disais avec. Avec la plus jeune milliardaire. Et moi j'ai vu la fin, mais lui il l'a pas vu, donc du coup il revient en arrière pour pouvoir remettre. Alors il écrit la fin de la saison 1, mais je pense que c'est la fin du truc hein, parce que là elle est condamnée. Enfin, elle est condamnée. T'as spolié ce truc. Non. Mais non, parce que tu le sais dès le début. Enfin, elle est pas condamnée en fait, à la fin tu sais pas. Hein. Enfin, tu sais qu'il va avoir des poursuites, mais tu sais pas. Elle est encore en liberté à la fin du truc. On va manger. Du coup, les cordons bleus jurassiens, donc c'est du bœuf au lieu du poulet ou du porc. En fait, c'est du bœuf avec du fromage à l'intérieur et du jambon de pays. Le fenouil. Hop. Et des patates brisées avec du beurre d'ail dessus. On a fini de manger. Je vais faire du montage, répondre à vos coms, et ensuite on va aller conduire Angèle. Et puis petite douche et gros dodo. Je vais vous faire des bisous et je vous dirai demain pour une nouvelle journée avec nos bisous, à demain.
just wanna love you.